Mardi 10 avril 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carbone capable pour porter pour deuxième sortie téléjournal la pour semaine si là. Mais principal point cap gain pour faire essentiel journal là pour jeudi à pour nous faire connaître groupe croissance lancé lundi 9 avril. Groupe croissance lancé lundi 9 avril là, 8e sommet international finance sous thème financer agribusiness dans le pays d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse participé dans remise prix première édition concours Renaissance dans la commune Camperin samedi 7 avril là, un projet qui visait encourager jeunes à faire business et puis aider zones à développer tête yo. Bureau Minak Energy présenté lundi 9 avril la bilan activité sismique li sorti 1er janvier pour arriver 31 mars passé à dans cadre 38e édition le lundi de la presse qui déroulé dans ministère communication. Ensemble point ça quand pilote a pour faire essentiel le journal là pour jeudi on a pas vite arrêter dans chaîne Newton a pas donné dans un petit moment. Merci parce que toujours choisi, toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas de bienvenue dans le développement information. Et Jacques Ndéa annoncé là dans différents titres au président de la République, la Jovenel Moïse, qui était gagné avec le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Fritz Kayo et puis le ministre Touriste, la Jessie Menos, participé dans l'édition, dans la première édition concours Renaissance qui était faite dans la commune Camperin en date samedi 7 avril passé. Objectif concours Renaissance, c'est aider les sections communales à cette ville développer selon besoin zone et puis encourager population à rentrer dans affaires business. Vous compte rendu ensemble avec Richardson Joudin et puis Pems Jean-Baptiste. En total 45 entrepreneurs qui sorti dans section communale à Centre-ville Camperin ont déposé projet dans cadre concours Renaissance là. Son programme qui vise renforcer entrepreneuriat dans commune Camperin et puis encourager monde zone là pour entrer dans business. D'après initiateur activité à Carmélie Montima Ismaël. J'ai fait des analyses de besoins sur les sections communales, suivant mes expériences et enquêtes, sans trop savoir d'où allaient venir les moyens. Mais il y avait la foi. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, j'organise des activités à caractère social et culturel à Camperin, et cela me permet d'avoir une idée des différents blocs et localités. En 2017, vers le mois d'avril, j'ai finalement eu l'idée d'écrire un projet sur l'organisation de concours pour aider les sections communales à sortir de l'ombre, se développer et devenir à long terme autonomes. Président républicain Jovenel Moïse dit déterminé pour bailler moun qui gagne de faire business dans pays ya bon gens accompagnement si tout si là yo qui vise domaine agriculture et transformation produits agricoles. Programme ça parle sur tout pays. Nous on dit mon gars mais chiffre pas faire calcul. Bon si chaque monde se il est prêté 1 million goud. Et puis mal garder viser 50 entreprises ou bien 100 entreprises mal gagner sur chaque commune dans pays. Ça veut dire 146 multiplié par 100. Ça veut dire non gros problème. Côté mal venir cob là pour prêter mon yo. Bon, bon comment j'ai parlé et puis responsable là fait me comprendre. Qu'on compte dans pour ça là la vie côté me dit oui. L'argent là. Allez, disons, diable, on dit. Programme ça que nous mettons sous pied pour renforcer l'entrepreneuriat région. Ça veut dire parler pour nous comprendre que y a un projet qui n'a pas de sens pour nous. Quel que soit son pensée dans la tête, ou venez. Toujours dans le cadre d'activité, le chef d'État a renouvelé l'engagement pour continuer à accompagner la population et puis promettre pour respecter toute saleté dit pendant la campagne là. Son stratégie, j'aime bien dire dans la campagne électorale là, pour nous venir mettre l'État au service. Parce que moi-même, moi dis, qui sont loin, 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 même Jacques, nous sommes victimes de l'État. Ça. On l'État qui part au service nation. Ce n'est pas demain matin que tout l'État qui arrive à servir nous. Mais premier pas, on a commencé à faire. Même Jean, dans le niveau. Service qui est l'heure pour construire route, pour mettre route dans la commune de l'IA, pour nous faire une rénovation urbaine. J'en ai fait dans la ville de Camperin, j'en ai fait aujourd'hui dans la ville de Belade, décision que nous prenons pour la vache. J'en ai fait dans plusieurs autres communes dans l'IA parce que pendant que nous avons interconnecté les communes, nous avons rénové les communes. En plus, formation sous entrepreneuriat et certificat, Gaillan yo recevoir un chèque 200 000 goud pour mener activité business yo. Trois sorties dans section communale yo
ak lot la nan centre-ville Kampirin. Merci à Richardson, Joudin et Pimps, Jean-Baptiste qui t'a présenté nous compte rendu ici là. L'autre information dans le journal là, 8e sommet international sous finance là, lancé hier lundi 9 avril 2018 là dans Pétionville. C'est groupe Croissance qui a organisé sommet international ça sous thème financer agribusiness dans le pays d'Haïti. Président directeur général du groupe Croissance là, Kessner Farrell, expliqué il a mis plus accent sur l'agriculture par rapport à divers points. Gen pou abodi nan kad soumen si la. Donc je vous dis, c'est pour maire yo, ça fait déjà près de 3 ans avec les maires élus. Chaque année, nous prenons le premier jour là, nous concentrons sur yo, sur la finance municipale et l'administration publique locale. Donc nous avons 2 Canadiens qui entrent là, qui sont très bons dans le domaine ça, la géomatique, parce que je vous dis, même je vais parler de smartphone, téléphone intelligent, et bien je vous dis, agriculture intelligente, ville intelligente, donc il y a des décisions, il y a des bases de données pour prendre. Il y a une blague que monsieur a commencé là, monsieur dit que il a découvert que la ville de New York a 8 millions de rats. Nous avons une commune ravette qui est en commune dans le pays d'Haïti. Et la commune qui est plus ravette, je veux dire que c'est la commune qui a moins d'assainissement. Voilà un petit peu l'idée des données, des bases de données. Et pour qu'on ait qui est actif, qui est en commune pour capable avancer. Donc on a fait toute journée comme ça avec les magistrats. Demain, nous allons développer le thème sommaire, financer l'agribusiness en Haïti. Et comme on connaît chaque année, nous avons une conférence internationale sur la microfinance qui a fait parallèle demain avec M. Coopératif qui a participé en grand nombre là-dedans. Mercredi, c'est la finance publique. Donc, le ministère des Finances a venu. Nous espérons être capable de nous aider sur l'affaire budget rectificatif qui a parlé ces jours-ci. Pour nous connaître ce qui passe pendant 6 derniers mois et 6 prochains mois, comment ça va aller la finance publique pays d'Haïti. Jeudi, c'est la politique monétaire. Le gouverneur Banque Centrale a prononcé son gros discours pour parler de situation. Dollars par rapport à Goudla, qui perspective qui vient dans la politique monétaire là. Et nous avons une activité qui a fait jeudi après-midi, le thème de dollarisation, pour avoir un gros débat qui a fait jeudi et journée ça sur lui-même. Vendredi, nous avons fini avec l'assurance pas bon ici là, l'assurance agricole, parce que le thème c'est financer l'agribusiness ici. Donc nous allons développer à faire assurance là en d'un pays. Et vendredi, nous avons tout descendu, même jour, nous avons une activité dans la Banque Centrale là, côté nous avons fait FinTech. Et samedi, c'est FinTech. Donc voilà, sommet à Nessa, il y a 6 jours. Donc nous, ça, c'est pour toute semaine pour nous faire marathon. Donc, on peut l'activité qu'on a réalisé. Toujours dans le même dossier, c'est là Martin Lelièvre, expert canadien dans les affaires d'administration publique locale, qui tape travail comptable, directeur financier, plusieurs mairies dans le pays, a déclaré si mairie respecte un principe, la loi, et puis employé monnaie qui gagne compétence, il a loué pour plus dans le développement pays d'Haïti. Expert canadien arrêté quoi développement pays a loué passer dans la progression finance locale. Martin Lelièvre, dans le micro, Anne-Simas. Le constat que je remarque, c'est d'une part, c'est probablement un manque d'organisation qu'on voit. Deuxième temps, au niveau des ressources, je pense un problème au niveau de la formation des gens en place. Et aujourd'hui, je vais animer le groupe des maires sur l'importance de bien gérer les données, bien gérer les actifs d'une organisation. Et je crois que lorsqu'on a en main une bonne connaissance de nos actifs, de notre gestion des actifs, ça nous permet, je pense, de faire un développement beaucoup plus harmonisé et un développement local qui permettra, je pense, aux Haïtiens de revenir en région parce que, vous savez, le développement d'Haïti repose, selon moi, selon mes observations, les échos que j'ai eus avec les gens avec qui j'ai fréquenté, discuté lors de mon séjour, c'est que le développement d'Haïti repose principalement sur le développement local. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on doit arriver de l'extérieur pour arriver avec nos solutions. Je crois qu'on doit d'abord faire le constat de ce qui se passe ici et davantage accompagner, être un coopérant avec les gens en place pour bien dynamiser les régions. Des recettes miracles, je ne pense pas qu'il y en existe. Je crois qu'au Québec, on a une façon de travailler. Il y a une problématique. Il y en a une autre problématique ici à Haïti et je crois qu'il faut se fondre avec la problématique que nous retrouvons à Haïti et collaborer et aider en coaching les gestionnaires en place. Lancement sommet international finance là, c'est occasion tout pour faire lumière sur plusieurs thématiques qui fait actualité dans le monde international là, dans les affaires domaine financier. Avantages et inconvénients crypto-monnaie, c'est une thème qui était débattu pendant la journée hier. Antimos avec Hervé Pierre Abdino, plus à nous suivre. Crypto-monnaie, Bitcoin, c'est sous sujet ça, Arifa Serenti Palé, qui c'est une actualité dans les affaires business. Utilisation l'argent, ça, moun pas qu'à manier,
a pris place chaque jour plus dans le monde, d'après l'économiste, qui était quoi pays d'Haïti par épargné. Même si forme l'agent ça, moun pa kawaya, c'est pas une banque qui baille, il fasse un pas hésiter à parler sur avantage d'hypoté dans le système économique. Ce monde est qui créé et géré à partir d'un réseau informatique. Donc, son monnaie est totalement virtuel. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas qu'à well, et que son ensemble de monnaie qui est créé, et que je dis à la, et en plus, le monde vient de confiance dans lui. Et c'est confiance ça qui est la valeur. C'est confiance que vous mettez dans lui qui est la valeur. Donc, c'est-à-dire que, et contrairement avec la question de carte de crédit, qui est une forme d'utilisation électronique de la monnaie, mais il y en a plus de différence avec Bitcoin. C'est que Bitcoin lui-même, donc, il n'est pas régulé par le système bancaire, ok? Il n'est pas régulé par des autorités monétaires et ce n'est pas des autorités monétaires qui émettent li, ni qui créent. Tant que tout produit, Bitcoin n'a gen bon, même j'en li gen mauvais côté. Pour raison ça, c'est rend attirer attention utilisateur sur problème crypto l'argent charia avec. Deux pigoris que nous quoi ça gagne, j'en te dis là, c'est que ça qui arrive que crypto monnaie pas un bagage vraiment et réel, il est capable de bagage et qui pas vraiment grand valeur sûre, OK? Tu ça une bulle financière qui fait que valeur capable diminuer, chuter considérablement de un journée à l'autre, qui vient faire que toute transaction économique au monde fait en Bitcoin, donc vous venez perdre tout les actifs ça que vous venez gagner. Donc deuxième et l'autre deuxième plus gros risque encore, c'est le risque d'activité illicite. Donc c'est dans le sens que et utilisation crypto monnaie, le fait que le papa c'est pour un canal et capable de surveillance, ok. Donc ça veut dire que plus qu'on y a là, vous venez des monde qui fait des transactions en dehors du système bancaire qui est supervisé. Donc c'est plus capable de gagner des activités de fraude, ok, des activités illicites et capable de gagner des conséquences négatives sur la société. Bitcoin n'a pas été dans l'année 2009, quelques temps après crise l'argent qui t'a bouleversé le monde. D'après l'histoire, c'est Ava Hiroshi Nakamoto qui t'a apporté solution ça. Notre information dans le journal, la présidente de la Commission de justice et de la sécurité publique, la présidente de la Chambre des députés, Jean-Marie Florestal, exprime préoccupation devant la situation qui a développé dans quelques quartiers dans la zone région métropolitaine. Devant la situation, le Parlement a annoncé que la Commission l'a dirigée et capable de convoquer avant le temps même conseiller supérieur de la police nationale d'Haïti dans l'idée pour capable de jouer une explication sur la situation. Il y a bien possibilité pour capable de des présidents de la Commission justice et sécurité publique, Chambre députée, dans la prochaine édition téléjournal télévision nationale d'Haïti. Bureau Minak Énergie présenté lundi 9 avril 2018 la bilan activité sismique li sorti 1er janvier pour arriver 31 mars là durant 38e édition lundi de la presse là dans ministère communication directeur géologue Claude Prepti parler sous deux failles en Haïti qui est toujours en action. N'a pas vite suivre Claude Prepti. Donné ça veut dire que tout côté qui en rouge c'est côté que déformation importante. Qui côté qui est en rouge, nous voyons c'est au niveau du nord, et zone ça correspond justement avec faille septentrionale. Donc faille ça, elle a bougé. Donc son zone à surveiller, l'homme dit zone nord là, on parlait de département du nord-ouest, du nord et du nord-est. Nous voyons tout en rouge, et le continuer en République dominicaine. Deuxième encore, côté qui est rouge, c'est au niveau de la presqu'île du sud. Nous voyons toute zone Port-au-Prince en rouge, il est jusqu'à Miragouane. On partit dans le sud-est là-tout. Donc ces zones ça yo côté que déformation beaucoup plus importante. Donc c'est ça pour qui permettre nous quand même vigilant tout ce que n'a enregistré yo, pour dire attention, est-ce que zone ça lui-même li mu pour le bail un gros tremblement de terre. Donc c'est très important avant que vous fassiez une route, avant que vous fassiez un pont, avant que vous fassiez un barrage, avant que vous mettiez l'école ou l'hôpital. C'est des bâtiments qui peuvent recevoir le monde, c'est très important pour informer yo. Est-ce que c'est pas sur une faille que m'a mis le bâtiment ça? Donc, il est très important pour nous qu'on trace l'exact faille là. Et nous voyons que faille de la presqu'île du Sud-Land, il traverse presque 5 départements géographiques. La Grandance, le Sud, les NIP, l'Ouest et le Sud-Est. Et dans 5 départements, ça, nous avons près de 57% de la population d'Haïti. Donc, son bagage stratégique lié. 57% de la population concernée par faille, ça, une faille qui est active, qui est capable de faire au tremblement de terre, 5 départements. Donc, il est très important, en tant que responsable, pour accorder une importance à donner ça. Et faille nord, là, lui-même, nous avons écouté le passé, il y a 3 départements qui sont concernés par faille, ça.
c'est nord-ouest, nord et nord-est. Et trois départements, ça a 20% de population. Donc si nous prenons faille sud là, il y a 5 départements qui sont concernés. Et faille nord là, il y a 3 départements, ça fait 8 départements sur 10 qui sont concernés par le phénomène sismique. Là. Et en termes de population, l'on prend 60% à peu près pour le sud là et 20% pour le nord, ça fait 80% de population haïtienne là, qui est concernée par ça. Et nous avons ça qui passe le 12 janvier, quand c'était le monde qui mourit. Donc si vous ne prenez pas des mesures pour protéger la population, ça. Si vous ne prenez pas des mesures pour que le bâtiment soit bien fait, eh bien, vous avez un problème. 12 janvier 2010, le tremblement de terre a fait. Et au lendemain de ce coup-là, tout scientifique, tout technicien, a pensé que c'était segment faille ça qui était cassé, un segment de faille qui traversait toute presqu'île du Sud. Et nous fait un an à essayer de réfléchir sur l'origine tremblement de terre, sur tracé exact. Partie qui était concernée le 12 janvier. Université nationale, université internationale, un pile scientifique fait des mesures. Et après un an de brasser l'idée, nous arrivons à la conclusion que ce n'est pas le segment ça qui était cassé le 12 janvier. C'est à peu près une faille. Donc ça, c'est reste faille là. Et nous devons penser que c'est parti en rouge là qui était cassé. Mais c'est faille ça qui cassé le 12 janvier. Ou faille qui a 40 à 50 km qui passait en bas de Léogane, qui aurait la faille de Léogane. Ça veut dire que si c'est faille ça qui baille le 12 janvier, donc partie en rouge que nous devons prévoir avant, donc il est toujours là. Il a accumulé l'énergie. Finalement, toute faille presque du sud-là, qu'on a fait mesure sur depuis longtemps, mais faille ça, il continue à accumuler l'énergie. Donc ce coup, ce que nous devons attendre sur faille ça, il peut arriver. Donc 12 janvier, c'est ce petit faille secondaire là. Et nous rendons compte qu'il y a un paquet de failles secondaires que nous ne connaissons pas, qui est aussi dangereuse que la faille principale là. Donc, il y a un pile travail pour qu'il fait en Haïti pour identifier ce genre de failles. Toujours dans le même dossier, c'est le directeur général du bureau Minak Énergie, ingénieur géologue Claude Prepti, démenti rumeur qui a couru depuis plusieurs jours comme quoi l'État d'Haïti pourrait subir un tremblement de terre. Dans ce sens, ingénieur géologue Claude Prepti fait qu'on est jusqu'à présent pour qu'on ait aucune donnée scientifique qui est capable de dire qu'il est un pays pourrait gagner un tremblement de terre. Mais pour bien faire face à un événement comme ça, c'est précaution que la population prend. Je vous invite à suivre. Là, nous sortons un bulletin sismique. Ça va dire pour autant que vous parlez de tremblement de terre. Ça va être tout simplement température, terre, en bas, qui j'en activité sismique là. Parce que il y a une information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui dit que moi annoncé que par le gain, il y a un séisme imminent. Je vais tout profiter pour me dire, membre de la presse, mon cap rédigé article sur sismique, sur tremblement de terre, terme imminent. Je ne vais jamais utiliser en tant que technicien, en tant que scientifique. Parce que imminent, en français, si vous consultez un dictionnaire, ça veut dire qui est sur le point de se produire. Donc là, on dit que tremblement de terre qui est imminent, ça veut dire que dans les jours à suivre, il y a 2-3 jours par tremblement de terre, ça veut dire qu'on est capable de prédire que par tremblement de terre. Or, dans l'état actuel des connaissances, on n'est pas capable de prédire tremblement de terre. Nous, juste, bah, une information nous dit que mais qui j'ai que terre a tremblé et terre a toujours a tremblé, chaque jour a tremblé. Mais ça pas dit pour autant que parle un gros tremblement de terre. Gros tremblement de terre capable arriver là un jour, deux jours effectivement. De même que le capable prendre 10 ans, 20 ans avant que le fait. Donc nous pas connaît. Association pour l'autonomisation femmes haïtiennes qui vivent avec une mobilité réduite lancée hier lundi 9 avril 2018 là projet pour renforcer capacité femmes handicapées responsable Marine responsable Marie Merline Moril expliquer projet ça visé encadrer femmes handicapées pour capable permettre de gérer la vie au plus bien. N'a pas vite suivi un reportage avec Saint-Croix-Parc et puis Fresnel Toussaint. Mesdames Sayo, qui vivent avec un handicap physique pendant 2 mois, a bien pour prendre formation dans le dépannage téléphone portable, macramé et façon pour créer propre entreprise. C'est dans le cadre projet ça qui porte nom formation, renforcement, capacité femme à mobilité réduite qui vise à combattre l'exclusion, catégorie moun Sayo a subi dans la société. Ça cap aider yo créer propre entreprise ti parti pas dans la vie sociale et économique pays. Activité c'est une formation qui a fait dans
autour de un thème que nous choisissons pour le projet qui c'est renforcement des capacités des femmes et filles à mobilité réduite. Dans deux thèmes, ça nous déduit que nous voulons former les femmes pour devenir des professionnels sur le marché, pour être capable de produire des œuvres et travailler avec tête, pour ne pas dépendre de monde. Et pourquoi pas créer une entreprise pour avoir un emploi. De ce fait, nous avons deux modules principaux que nous avons fait, qui sont formation en macramé, couture, donc production artisanale, côté à produire avec meyo, et que deux formations, ça, nous sommes capables de vendre les produits à des prix raisonnables, bien sûr, que nous sommes capables d'autonomiser tête. Après, nous avons l'autre module qui est dépannage de téléphone, côté nous avons un partenaire là-dedans qui est Conatel, qui a alloué nous des kits tout pour formation. Avec Conatel, nous avons qui va nous quitter, nous allons former mesdames pour venir des professionnels, pas seulement garçons pour acheter téléphone, mais pour eux même tout. Côté pas capable de déplacer, il y a porter téléphone venu parce que nous connaissons déjà que c'est un type de travail que vous venez jeune et fournisseur. Là. Vous pouvez aller côté mesdames qui ont fourni au service là, et puis vous pouvez capable de brancher téléphone. Donc c'est deux modules ça. Et à la fin, nous avons un troisième module que nous voulons faire, côté nous voulons que vous montrer comment vous gérer une entreprise dans deux types de sous-module qui a gestion d'entreprise et montage de plan d'affaires, création d'entreprise. Responsable communication, association pour autonomisation femmes haïtiennes handicapées, Edwin Elius expliquait, mesdames Sayo, pendant la formation ça, a bien pour bénéficier plusieurs matériels, association prévoit accompagner mesdames Sayo pour qu'a montrer propre entreprise bio. N'a gagné un certificat que n'a ba moun yo pour clôture projet ça nous comptait faire une grande foire d'exposition côté que moun qui fait macramé couture artisanat yo capable exposer œuvre yo et consacrer des moun qui capable ouais potentialité qui gagne kay mesdames yo. Mais suite projet ça c'est une plateforme en ligne côté que ou ka mandé mesdames ça au produit yo. Par exemple voyez by faire rad ou voyez by confectionner valise ou bous ou etc. et by ranger téléphone ou côté que a gagné une garantie à 100%. Il y a un total 40 femmes handicapées à gagner pour prendre formation qui joignent bourrade financement ambassade pays la France en Haïti pour un montant 2 millions de gourdes. À l'information dans le journal, la 5e édition semaine LAG, l'aide culture, collège canado-haïtien, démarré à hier lundi 9 avril 2018. Là, une initiative qui est réalisée d'après responsable, dans l'idée pour aider les jeunes qui ont développé connaissance dans le domaine l'aide à Kilti, à encourager tout faire plus l'étude. Nous avons invité à suivre un reportage avec Marie-Dieudonné Hurtoulou, à Laure Dali-Jean-Jacques. Lettres, arts et culture au service du développement endogène d'Haïti, c'est thème qui kembe pour 5e édition semaine en lac là. Aider jeunes kon ki esyoye, aider au développer talent qui caché la kayo, aider au comprendre qu'il tiyo pour ka participer dans développement pays a, c'est quelques parmi objectifs responsables à travers réalisation activité ça. D'après frère Augustin Nelson, directeur collège canado-haïtien, Semaine en lac, c'est une occasion pour divers écrivains et personnalités publiques partager connaissances dans le domaine lettres, art, kilti et élèves. Pour qui ça nous fait activité ça? Nous fait libre pour nous capable permettre aux jeunes que nous éduquer, qu'on qui est beaucoup plus. Pour nous apprendre à comprendre la richesse culturelle que nous avons dans le pays. Pour nous connaître que la culture nous a une richesse là-dedans. Et que si nous apprenons à comprendre la culture bien, si nous apprenons à connaître, eh bien, nous n'allons pas permettre que le pays soit développé par la base de manière endogène, c'est-à-dire à partir du développement monde. Pour un pays développé, il faut que le monde là-dedans commence à prendre tête en charge pour qu'on sache, pour qu'on soit fier de eux-mêmes, pour qu'on connaisse qui côté vous voulez aller. Jeff Mikoviad, président de classe philo dans le Collège Canado. Rete quoi activité ça a permettre yo bien comprendre qu'il ti yo. Genre de activité ça donc li permet nous rencontrer des auteurs haïtiens parmi lesquels donc on ka cité Gary Victor comme ancien élève de l'école là, Daniel Laferrière donc nous connaissons très bien qui c'est un académicien français à travers plusieurs séances donc que nous fait là ensemble avec auteur yo donc yo parler nous de livre yo parler nous de parcours yo tout ça donc et de obstacles rencontrés difficultés tout ça donc yo mettez nous dans bien donc yo ba nous en première vue de la vie en gros de culture nous donc en gros donc c'est une initiation c'est une forme d'initiation fait donc avec nous dans culture haïtienne identité haïtienne à condition natif pays nous c'est des sous-thèmes qui te débattent dans la première journée semaine en lac, lettres,
art et culture. Merci à quelques collaboratrices. Nous sommes là toujours dans la cabane pour jeudi. Mais juste avant nous aller nous rappeler un point qui était fait essentiel le journal là. Groupe Croissance lancé lundi 9 avril 2018 la 8e sommet international sous finance en baptême financier agribusiness dans le pays d'Haïti. Président de la République, la Jovenel Moïse, participé à la remise prix première édition concours Renaissance qui a été fait dans la commune Camperin samedi 7 avril passé. Un projet qui visait encourager les jeunes à faire business et puis développer les zones avec tête. Bureau Minak Énergie présenté lundi 9 avril 2018 là bilan activité sismique li sorti 1er janvier pour arriver 31 mars passé à durant 38e édition si là qui était déroulé dans ministère communication qui fait en baptême le lundi de la presse. Nous t'ai content ensemble avec commentaire pour t'être capable porter pour deuxième sortie téléjournal la semaine si là n'a pas souhaité tout pour passer excellente journée de mardi n'a pas cassé rendez-vous pour demain matin pour une nouvelle sortie téléjournal là et restez branchés chez nous là information à pas suivre sur télévision l'état.